step back, let a pro through. I'ma go through every rapper if I have to make it in this bitch. I'm taking every risk, every chance to succeed. I'm trying to be a star, no asterisk. Headphones on, so I'm zoned and gone. Another world's what I'm on. What's a pawn to a king? A rookie to a pro, never stalling, always grinding. No chandelier, but I'm shining. What the fuck now? Say what the fuck now? Hated on all these rappers, I must be the dopest hat. I hold it down for my city, like I'm writing in the wind, hiking with the pen, cause it is a trip when I do this. When it's my vision, I'm trying to take you into my mind. Never will find any rapper of my kind. I ain't lying, I'm my own breed. I am a one of a kind, said I'm my own breed. I am a one of a kind. I'm trying to get my shit bumping from coast to coast, Florida out to Cali, Abbas. Salut tout le monde, donc vous voyez enfin ma tête depuis ce matin et je suis fatiguée mais trop contente et trop excitée d'être ici. Et là on est enfin arrivé dans notre Airbnb. Bon, vous vous doutiez qu'on allait prendre un Airbnb et pas un hôtel, mais bon, no way, c'est pas grave, faut que je vous fasse visiter, il est trop beau. Regardez. Quand on rentre ici, il y a un grand miroir avec un meuble mais trop magnifique. Ensuite ici vous avez la salle, donc là un canapé convertible en lit. Bon bah l'INSEE s'est déjà étalé hein. Et là regardez comment c'est beau, une espèce de cheminée comme ça, trop canon. Et là la télé avec Nino. Coucou Nino, coucou chaton. Et du coup voilà, on s'est installé. Et là la cuisine, trop magnifique. Elle fait pas trop Instagram comme ça, on dirait une piscine une cuisine Instagram, mais vraiment trop jolie avec le petit marbre et tout comme ça, mais trop mignon. Comme d'hab, un frigo et un réfrigérateur XXL, mais bon. Voilà, donc ça c'est pour la salle. Salut. Et de l'autre côté on a la chambre. Donc ici on a un grand meuble où dedans on a rangé tous les trucs de Ninou. Avec la chambre ici comme ça. Bon bah ça c'est Tony, hein, vous doutez. Un grand miroir encore et une salle de bain. Trop canon. Regardez un peu. Avec une espèce de voûte comme ça. C'est vraiment trop chou. Donc là, bah on a installé nos affaires. Des chiottes. Hein. Là aussi. Donc ici, j'ai mis tout ce qui était maquillage. La base. Les serviettes, c'était déjà fourni. J'ai mis tous nos trucs de soins de moi et de Tony. Donc voilà. Et il nous avait mis aussi des gels douche, des choses comme ça. Et ensuite, on a un petit dressing, un tout petit dressing, mais un petit dressing cool quand même. Ici, donc bon, on a posé nos affaires ici pour l'instant parce qu'on pense qu'on va les mettre dedans. On a mis tout ce qui est veste, manteau ici. On a déjà rangé les valises là-haut et ici. Et voilà! Je suis là, chaton! Donc voilà notre petit Airbnb. Je le trouve vraiment très cool. En plus c'était pas cher du tout. C'était 100$ pour la nuit. Et franchement c'est super cool. On est situé à Hoboken dans le New Jersey. Et ça fait 20 minutes de Manhattan environ. Donc voilà. On fait charger un petit peu les téléphones et surtout l'appareil de vlog parce qu'il est mort. Et voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Et puis comme d'hab, comme dans mes vlogs, je vous tiens au courant de tout ce qu'on fait. Coucou tout le monde. Donc là il est 20h et quelques et on est rentré. Et franchement Times Square c'est génial. C'est vraiment comme dans les films, gigantesque avec des buildings mais à couper le souffle. Et le problème c'est que, enfin le problème, il y a vraiment énormément de monde partout. Et je me dis qu'une ville comme New York, ben, il n'y a pas de pause en fait. C'est tout le temps blindé. Désolée, c'est Ninou que vous entendez ronfler.
Et du coup, voilà. Mais franchement, c'était super cool. Et il faisait un peu froid, un peu beaucoup froid, mais c'était vraiment cool. On a été au Forever 21 de Times Square et il est huge, vraiment énorme. Et on n'est pas resté longtemps. On voulait juste me prendre un pull, quelque chose de beaucoup plus chaud que ce que j'ai déjà. Parce que j'avais froid. Donc voilà. Et on a été aussi au M&M's World. They get them ripping my shit over in Paraguay. See, it's more than the money, than the clothes and honeys. I'm talking making a name, making something out of nothing. Fuck all of these haters, man, I guess they fear me. Surrounded by all of them, yet they all are nowhere near me. On a pu se trouver une puce enfin à AT&T. Donc voilà. Et puis on a fait quelques courses pour le petit déjeuner à Walgreens. Mais bon, on n'a rien trouvé d'exceptionnel en fait. Donc on a juste pris du lait, quelques céréales et c'est tout. Donc demain on va aller à CVS. On a vu qu'il y a un CVS juste à côté. Donc on va aller à CVS et comme ça on va vraiment faire des grosses courses. Histoire de faire une grosse dépense et pas des plein de dépenses. Donc voilà. Et sinon, là on a pris notre douche. Enfin, on attendait que ça, c'est la douche de la délivrance. Vous savez que quand vous prenez votre douche, ça y est, vous vous posez et ça y est quoi. Vous allez dormir, mais bizarrement, on n'est pas trop fatigué. Quoi qu'il est 20h et du coup en France ça fait 2h du matin. Donc bon, ça fait presque 24 heures qu'on n'a pas dormi, mais bon. Voilà. Là, on a commandé chez Chicken Factory. Et voilà, on va manger. Et voilà. Donc au programme de demain, on va retourner à Times Square. On va aller à Herald Square et on va essayer de faire l'Empire State Building. Mais on ne sait pas encore. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain. Ciao!